ce soir avec nous à la médiathèque Gulliver. Je souhaitais en introduction, vous souhaitez évidemment la, la bienvenue et, et, et vous remercier d'être présent dans la salle pour une partie d'entre vous. Et puis d'autres personnes sont sur les, les réseaux sociaux et nous suivent en direct, raison pour laquelle nous avons cette installation technique, nous permettant d'avoir beaucoup plus de monde évidemment qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Euh, C'est la deuxième rencontre de ce là que nous faisons euh, sur, sur Chalon. À l'occasion de ce nouveau mandat municipal, on a souhaité renouveler un peu la forme des, des conseils de quartier. Elle était peut-être devenue un peu un peu redondante. Ici, passait souvent un peu le, la même chose. Donc, on a souhaité changer un peu la, la donne, profiter de fait aussi peut-être du euh, de la Covid, qui nous a appris euh, les uns et les autres à travailler différemment, à se rencontrer différemment. Et à utiliser un peu plus les réseaux sociaux. On y perd un peu en convivialité par rapport aux rencontres présentielles, mais on y gagne en volume de personnes qui peuvent nous suivre. Raison pour laquelle on a souhaité essayer d'associer ces deux éléments à l'occasion de nos nouvelles rencontres de quartier, euh, en ayant euh, une partie en présentiel pour garder cette convivialité, et puis une partie en, en distanciel pour essayer d'avoir un peu plus de, de monde. Donc c'est la deuxième fois qu'on se retrouve euh, comme ça. Euh, et puis le deuxième élément nouveau de cette forme des réunions de, de, de quartier, avant vous vous en souvenez peut-être, on avait le même soir 12 réunions de, de quartier, euh, tous les trimestres. Euh, et donc chaque élu se démultipliait quelque part, chacun avait son quartier. Et là on a souhaité faire des choses un peu différentes. C'est toujours une rencontre tous les, euh, tous les trimestres euh, sur des quartiers un peu élargis, mais en en faisant qu'un seul le soir euh, de, de cette rencontre pour qu'on ait euh, un maximum d'élus correspondant au maximum de dossiers qui intéressent le, le territoire et encore en l'occurrence ce soir la, la rive gauche. Alors, euh, on a euh, un sommaire à vous proposer pour la soirée. On va vous parler... Euh, évidemment des travaux de la gare, c'est aujourd'hui ce qui impacte le plus la, la rive gauche, on évoquera euh, éventuellement les travaux qui ont été menés récemment, je pense à la pénétrance qui a impacté aussi évidemment la, la rive gauche, euh, on va évoquer également probablement le réseau de chaleur qui commence à impacter principalement aujourd'hui le centre-ville mais qui va rapidement impacter la, la rive gauche. Et puis euh, ensuite, on verra éventuellement, enfin pas éventuellement d'ailleurs, on répondra à toutes les questions que vous avez en physique et euh, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tout en rappelant que la session de questions réseaux sociaux a été ouverte il y a plusieurs jours et qu'on a déjà un certain nombre de questions qui sont, euh, qui sont arrivées. Pour co-animer avec moi cette soirée, il y a Clémence Brémont, qui est donc adjointe au maire en charge de la jeunesse, de la vie associative et de la démocratie participative. Et c'est au titre de sa délégation démographie, 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 je vais y arriver, participative, euh, qu'elle euh, qu va animer cette soirée. Et je lui passe la parole tout de suite. Merci Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Et euh, donc bonsoir à celles et ceux qui sont dans la pièce et puis euh, à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Euh, pour celles et ceux euh, qui sont en ligne, je vous rappelle qu'un euh, replay sera accessible à partir de lundi. Euh, Benoît, tu parlais il y a quelques instants euh, de notre première rencontre de quartier qui avait lieu euh, au Mess des Entrepreneurs. Donc, je vous propose un très rapide retour <coughs> sur cette première rencontre de quartier, donc qui concernait les quartiers centre et est. Euh, nous avions une quarantaine d'habitantes et d'habitants dans la salle et nous avons globalement fait 7000 vues sur les réseaux sociaux via les trois pages qui diffusaient le direct et nous avons eu... À à peu près 380 interactions, c'est-à-dire commentaires, partages et réactions. Donc on est plutôt content. Nous sommes ravis que ces nouveaux euh, rendez-vous vous plaisent, et j'espère encore que ce soir nous aurons euh, l'occasion de répondre à vos questions concernant le quartier Rive Gauche. Euh, pour être un peu plus euh, euh, dans la logistique, euh, la soirée on va la découper en quatre temps. On va d'abord faire un point sur le grand projet de la gare. Ensuite, on fera un point sur l'actualité du quartier. On reviendra ensuite sur la redécouverte du bunker qui a permis de mettre en lumière le quartier euh, au journal télévisé de TF1. Et puis, comme le disait Benoît, nous aurons un temps d'échange. Donc, vous pouvez poser évidemment vos questions dans la salle, en direct et sur Facebook. Euh, je vous rappelle qu'on est retransmis sur le site de la ville. On est retransmis sur le Facebook de la ville, mais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Facebook pour regarder la vidéo. Euh, et puis nous prendrons également et nous traiterons les questions qui ont été posées en amont de l'événement sur la plateforme. N'hésitez pas à nous couper, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser vos questions. On n'est pas en train de faire un cours magistral. Et Benoît, je te laisse introduire le premier point de la soirée, qui est le projet gare. Alors. Peut-être avant de vous passer un, un, une petite vidéo sur le projet de la gare, qui dure 1 minute 5, ça va être très rapide et qui va vous remettre un peu en perspective, et je voulais avant de demander à Christophe Guillemot de nous rejoindre et de vous présenter plus en détail ce projet-là, euh, vous en dire deux, trois mots sur les grands principes qui nous ont euh, guidés. 1. Vous rappelez que la gare, c'est aujourd'hui la principale entrée de ville. C'est par là qu'on a un grand nombre de trafic. Et de personnes qui, euh, tous les matins, tous les soirs, ou de façon plus irrégulière, arrivent en ville. C'est le lieu où beaucoup de touristes viennent pour la première fois à Châlons et découvrent Châlons par la gare. On ne peut pas dire qu'à ce stade, ce soit le truc le plus réjouissant qui soit. Et on ne peut pas dire que depuis 10 ans, 15 ans, la première image que l'on ait de la ville de Châlons, quand on sort du train et qu'on passe la gare, ce n'est pas le truc qui donne une. Très belle image de notre ville, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, donc c'est un projet qu'on mène depuis très longtemps qui a été excessivement complexe à, à, à mener. Il a dû être lancé il y a une quinzaine d'années, quasiment, je pense. Et donc, on a eu une première grosse tranche qui a été la réalisation du parking, euh, du nouveau parking qui lui fonctionne très bien et est ouvert maintenant depuis un grand nombre d'années. Euh, pour, pour mémoire, je me souviens que lorsque j'ai été élu maire en 2014. J'avais fait retirer l'énorme panneau de chantier qu'il y avait devant la gare où il y a marqué Ici, on prépare votre avenir, bientôt le nouveau parvis de la gare. C'était en 2014. Je l'ai fait retirer et vous voyez, on est en 2022 et on commence à peine à en voir à la fin. Donc le parking a été fait et aujourd'hui on traite la question du parvis principal de la gare. Les travaux sont maintenant bien avancés, on a quelques petits soucis techniques, mais on va y revenir dans quelques instants. Mais je voulais vous rappeler les objectifs. Les objectifs, c'est d'abord d'avoir une entrée de ville de qualité. Quand vous arrivez à Chalon euh, pour la première fois ou même quand vous venez tous les matins, tous les soirs à la gare, il faut que cette place de la gare soit plus jolie et surtout plus pratique, plus utile. Et c'est ça qu'on a décidé de faire, c'était de faire quelque part de cette sortie de gare, euh, ce qu'on appelle un pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire qu'on ait tous les modes de transport qui soient situés au même endroit à proximité qu'on ait évidemment le réseau de bus sur 20, qu'on ait les autocars qui vont un peu plus loin, qu'on ait évidemment les taxis, qu'on ait évidemment les modes de déplacement doux. Bref, je sors de la gare, j'ai tout de suite tous les modes de transport divers et variés pour me rendre en ville ou ailleurs sur le territoire et de différentes façons. C'est ça l'usage principal que l'on fait de cette gare demain. Et puis, il y a d'autres évidemment sites qui s'y installent. On a l'agence régionale de santé qui va faire son siège euh, la RS qui va faire son siège euh, pour l'ancienne Champagne Ardennes euh, sur ce qui est aujourd'hui la ferme qui est au fond de la place. Donc là, on a racheté ça par la SEMCHA. On va raser et reconstruire le siège social de la RS, ce qui quelque part fermera le grand esplanade qui a devant la gare. Et puis dernier élément, c'est l'un des plus importants. La SNCF nous a confirmé. Qu'elle allait faire la gare, la façade de la gare, euh, en, en 2000, euh, fin 2022, a priori pour, euh, pour commencer. On passe le film et euh... ouais. ah, je mets, je dis. Bon ben bah, viens quand même et tu vas redire alors. Eh bien, du coup, on passe la parole à Christophe pour le projet Gare. Bonsoir à tous euh, et à toutes, à toutes et à tous, pardon. Euh, je vais essayer de dire des choses que Benoît n'a pas déjà dit, mais il y en a encore quand même à dire, donc ça tombe très bien. Euh, alors moi je suis un utilisateur de la gare euh, euh, au moins trois fois par semaine, donc euh, ça m'a permis de suivre le chantier, et je pense que s'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que le chantier de la gare, maintenant, euh, n'est plus presque plus un chantier, mais une réalité et j'ai pu suivre avec grand plaisir le cheminement de ce grand projet urbain, qui, comme l'a dit Benoît, est, est un élément important de requalification de, de tout ce quartier. Et c'est un élément central d'intermodalité, puisqu'on va y, y, euh, y avoir la conjonction d'un certain nombre de moyens de déplacement, que sont la voiture, le piéton, euh, les trottinettes, pourquoi pas également aussi, euh, mais également la voiture, les bus, les bus de la, de la CITAC, mais également les bus du département. C'est aussi un endroit où nous aurons euh, euh, l'arrivée des voyageurs. Alors, une chose qui, euh, qui est importante, on, on voulait un projet, Benoît, tu nous avais donné comme, euh, comme demande d'un projet qui était à la fois pratique, ergonomique, mais également vert, enfin, euh, on, va dire, on va dire végétal. Et effectivement, vous avez dû remarquer, pour celles et ceux qui, euh, qui vont sur le chantier euh, aujourd'hui, c'est que le végétal a déjà pris toute sa place puisque au travers de cet aménagement on a souhaité évidemment renouveler l'image de, de la gare tu, tu l'as dit et il y a un certain nombre de végétaux qui viennent euh, rendre l'espace beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui. Ça, c'était un des objectifs. Mais il y avait également un deuxième qui était le aussi avoir une gestion, euh, euh, on va dire, euh, saine de, des, euh, des eaux de pluie, puisque aujourd'hui, toutes les eaux de pluie sont infiltrées. Vous avez dû voir devant la gare, une espèce de nous qui permettent effectivement de, de récupérer les eaux de pluie, de, de les infiltrer. On a également un projet qui tient compte de la biodiversité. On, on en a rigolé un petit peu quand même à un moment donné, hein, de, de ces fameux lézards des murailles. Mais en tout cas, on a tout fait pour que euh, ces espèces euh, de biodiversité puissent euh, continuer à, à avoir un habitat qui vient euh, suppléer euh, l'habitat qu'ils avaient, notamment dans les parties démolies de l'ancienne brasserie. Euh, Benoît l'a dit, la mise en valeur patrimoniale du bâtiment de la gare était une demande forte. Hein. Je me souviens d'il y a un an, quand on avait fait cette, euh, un live Facebook sur la gare. Euh, des, des questions qui nous avaient été posées en disant, mais oui, mais c'est bien de faire un, un parvis, mais la gare en elle-même, euh, si elle est parfaite, c'est pas, pas forcément top. Et Béatrice Leloup, qui avait été euh, euh, présente sur ce live il y a à peu près un an, nous avait euh, donc assuré de l'engagement d'une rénovation de la gare sur la partie extérieure qui allait compléter les travaux qui avaient déjà été réalisés euh, sur, le, sur le hall. Donc c'est confirmé, euh, c'est confirmé, il y aura également des sanitaires. C'était aussi une demande forte, notamment des, des taxis. Et le, la gare va donc euh, être rénovée dans son extérieur avant la fin 2022. Et, et pour celles et ceux qui lisent euh, la presse locale, il y a eu un article d'ailleurs cette semaine qui l'a bien confirmé. On a tenu aussi à ce que ce quartier revive et devienne un, un quartier également attractif. Benoît l'a dit, il y a l'ARS. Euh, dont on a posé la première pierre au mois de décembre 2021, qui va venir on dire, fermer euh, cette gare avec un bâtiment flambant neuf en, en, en fond de, de parcelle. La construction euh, a démarré, la démolition est, est faite. Ils sont en train de faire aujourd'hui les fondations. Et on a également la mission locale effectivement, qui va venir dans les anciens bâtiments de, de l'ancienne poste ou, ou, euh, ou plus récemment d'Harmonie Fitness un problème persiste et c'est ce, ce sur quoi on, on a dû beaucoup travailler notamment dans le rétro-planning du chantier c'est toute la complexité liée en fait au, à l'arrêté de péril qui frappe euh, un bâtiment situé au 11 avenue de la gare, celui euh, qui héberge le restaurant chez Greg. Et, et j'avoue que ce, ce, cette difficulté, à la fois pour le restaurateur euh, euh, mais également pour le propriétaire, a été aussi une complexité pour nous, parce qu'il a fallu tenir compte de cette arrêté de péril pour cadencer différemment tous les travaux euh, su, du parvis, de façon à laisser le temps aux propriétaires d'assurer un certain nombre de travaux, à la fois de, de sécurisation du bâtiment, qui, euh, qui a des complexités euh, sur la, la façade, mais également sur la partie arrière du bâtiment. Et, euh, et d'expertise en expertise, il a fallu euh, tenir compte, encore très récemment, euh, des, euh, de ces contraintes pour regarder comment on pouvait euh, nous continuer à faire les travaux. Tout en permettant euh, euh, le, euh, la continuité de, de, du traitement de, de, ce, de ce péril. Donc, on y arrive. On y arrive. Et aujourd'hui, euh, on aurait pu vous annoncer, euh, il y a encore quelques jours, qu'on ne pourrait pas terminer les travaux, compte tenu de cet arrêté de péril. Et euh, grâce aussi au travail euh, mené par euh, la direction de l'infrastructure, hein, qui, qui gère, euh, au niveau de Chalon Aglo, l'ensemble des, euh, des travaux. Et, euh, mais également, aussi le, les, les experts de, de, des entreprises avec lesquelles nous travaillons, on a pu trouver des moyens euh, techniques, financiers aussi, parce que ça coûte un peu plus cher, en tout cas de pouvoir finaliser les travaux moyennant des, des, des méthodes un petit peu différentes qui nous permettront en fait de terminer le chantier dans les délais, c'est-à-dire au mois de mai 2022, aux alentours de l'avenue de, de la gare, hein, qui, qui, est, qui est entre le restaurant, la, la, tout, tout le linéaire de restaurant et, euh, et le, la future euh, implantation de, de l'annexe, mais également la rue des brasseries qui, euh, qui fait l'angle notamment avec le restaurant. Donc cette fois-ci, on a aujourd'hui la possibilité de vous assurer sauf euh, catastrophe météo euh, euh, éventuelle, on va parler que de météo en, en parlant de catastrophe, euh, pour que les travaux puissent se finir avant fin mai. La contrepartie, c'est que l'avenue de la gare sera fermée pendant à peu près deux mois, avec euh, une déviation qui, euh, qui se fera par la rue, rue Jean-Jaurès, la rue de Fanière et un accès par les par le parking donc rue Gallet par l'arrière en réalité. Ça se fait très bien et il y aura toute la signalétique qui permettra de récupérer euh, euh, le, le parking et, et l'accès à la gare par cette, euh, cet accès-là. Voilà, Donc, on est euh, ravis de pouvoir vous annoncer ce soir, et c'est une information récente, que les travaux se termineront bien comme prévu en mai 2022. Parallèlement, on travaille à la fois avec le, le restaurateur, mais également avec le propriétaire du bâtiment euh, euh, de la SCI Vatry, hein, qui, qui, qui est propriétaire du bâtiment, pour trouver des solutions. Parce que ce qui nous paraît évident, c'est qu'entre l'ARS, qui arrive avec plus d'une centaine de salariés, les, euh, les, les usagers de la gare, mais également la mission locale qui arrive, on va avoir un certain nombre de, de personnes qui, auront, qui continueront à. À avoir besoin de, de manger, mais qui seront également sur, sur, dans, dans le quartier à faire vivre le quartier et qui nous paraissait évident d'avoir, euh, de faire tout pour que l'activité de restauration persiste dans le quartier. Donc on est en train de, de travailler avec le propriétaire, l'agglomération, avec notre collègue Jérôme Matt et, euh, et Martine Lysola pour euh, pour assurer euh, le maintien d'une activité de restauration dans le quartier et on en aura. Euh, terminé, j'espère, avec ce beau quartier, ce beau projet qui, effectivement, est là depuis longtemps. Merci, Christophe. Euh, si vous avez des questions dans la salle, surtout, n'hésitez pas. Bah, madame. Attendez, on, on va vous apporter un, un micro pour que tout le monde puisse correctement vous entendre. Oui, bonsoir. Euh, concernant l'ARS, est-ce que les, ce sont des créations d'emplois ou des emplois qui sont déplacés de chalon c'est effectivement, dé... effectivement du déplacement d'emplois. Ils étaient aujourd'hui sur une autre partie de la ville, du côté du Mont-Héry. Ils étaient en fait. Vous voyez le Mont-Héry Le Mont-Bernard, pardon. Mont le Mont-Bernard, pardon. Excusez-moi, Mont-Héry, c'est l'autre côté. Le Mont-Bernard, ils étaient de ce côté-là. Donc c'est un déplacement. Donc il n'y a pas de création d'emplois en tant que tel c'est un déplacement intra-ville. Alors, on a une question qui vient d'arriver euh, sur le live Facebook, une question de Déborah. Bonsoir. Euh, je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour la rue Martin Luther King où il y a eu un mort, car ça roule toujours aussi vite. Si c'est une question de budget ou un simple panneau à sens unique fera l'affaire, bien cordialement. Je n'ai pas la, la réponse à la question euh, là immédiatement. Donc, on va évidemment noter tout ça et puis on vous répondra. Euh, par, euh, par écrit, parce que là, je n'ai pas les éléments de réponse à vous, à vous donner. S'il suffit juste de poser un panneau, ça peut, ça peut être fait évidemment très très vite, donc on va regarder ça, euh, on va regarder ça incessamment sous peu. Alors, toujours sur Facebook, une, euh, un message de Thierry, j'imagine qu'il parle du rond-point Mitterrand. Il trouve le rond-point trop petit pour les bus, qu'est-ce qu'on peut faire Rien <laughs> Euh, en fait, alors, sur, sur le dossier que qu'on qu évoquait euh, juste avant, ce Martin Luther King, il y a des études en cours, hein, donc on, on connaît, on mesure bien la dangerosité. On a les études en cours, mais on n'a pas encore le rendu des, des études. C'est pour ça que je ne peux pas apporter la réponse tout de suite. Sur le rond-point effectivement, de la gare, le rond-point dit François Mitterrand, euh, pourquoi on peut rien faire ben, Tout simplement parce que ce rond-point est à la sortie d'un pont. Il dessert Jean Jaurès et d'autres rues. Et pour élargir le rond-point, il faudrait ben, évidemment casser tous les immeubles qui sont autour du rond-point et refaire le pont. Donc euh, c'est euh, malheureusement juste techniquement, pas une question de sous d'ailleurs, c'est hein, juste techniquement totalement impossible. Donc c'est pas prévu. Merci Benoît. Surtout si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Ah, madame Donc, bonsoir, je ne suis pas chalonnaise, mais je représente Avenir de Roux. Euh, je trouve dommage, a, preu, a priori, euh, qu'il y ait des pistes cyclables qui soient faites. Sauf que la piste cyclable, d'après ce que je vois, elle arrive sur le rond-point qui, là, au premier plan, ça paraît énorme, mais en fait, il est tout petit. Et en plus, il y, y a un niveau euh, le, le premier cercle euh, est légèrement surélevé on va avoir à se faire respecter par les bus qui vont sortir, d'après ce que je vois de là, sachant qu'on est juste à côté. C'est dommage d'avoir prévu un parcours pour les cyclistes, sauf qu'au moment où c'est l'endroit le, le, plus, le plus fréquenté, on va être jeté comme ça dans la circulation globale. Quoi. Alors, en, en fait, le, tout le cheminement cycliste a été travaillé avec Avenir de roue qu'à un moment donné, on a... Mais ça, ça, fait, ça fait longtemps qu'on on a travaillé avec Avenir de roue je peux vous dire, parce que je m'en suis occupé aussi dans l'ancienne la, mandature en, en relation avec, euh, avec l'association. Je suis juste surpris, en fait, que vous l'ayez vu seulement maintenant, parce qu'il n'y avait pas de pas de difficulté sur le, le fait de, de présenter le, les, les plans euh, à aucun moment, puisqu'en plus, on a toujours veillé à ce qu'il y ait une continuité euh, cycliste, hein, ce qui est la, la, la vraie contrainte à Chalon, c'est qu'on a parfois euh, une discontinuité des voies cyclables. En l'occurrence, là, on avait d'abord les, 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 les voies cyclables qui avaient été prévues pour la rue Robert Gallet. On avait les voies cyclables sur le côté euh, euh, rue, euh, rue de Marne et il nous restait finalement à faire la connexion d'un côté à l'autre pour aller de la rive gauche en passant par la gare et pour retourner au centre-ville. Donc on a, on a ce circuit un, qui est Un élément qui est complémentaire fait. en phase de conception. Donc quand on a dessiné le projet, il a été présenté à Avenir de Roue et validé. Validé par Avenir de Roue. Donc il y a peut-être eu. Entre vous, des informations qui n'ont pas circulé, hein, c'est tout à fait possible et ce n'est pas gênant d'ailleurs, ça nous arrive à tous. Mais je veux dire que la concertation avec Avenir Roux a été faite et que le projet a même été validé par Avenir de Il faut parler dans, dans le micro. Oui, parler dans le assisté, micro sinon, là, pas J'ai assisté à votre présentation il y a un an à peu près. J'ai dû faire des captures d'écran pour présenter à mes collègues de l'association parce que personne. N'avait les plans ou quelque chose. Et la pro le, le projet précédent, euh, parce que je vais à pratiquement toutes les réunions qui concernent ce projet-là, euh, on passait devant la gare, vraiment. Euh, le, la, les pistes passaient vraiment devant la gare. Et on faisait un peu le tour comme, on, comme les piétons feront actuellement. Quoi. Écoutez, ce qu'on va vous proposer, c'est simple on va ressortir tous les éléments et puis on, on repassera vous voir si, euh, si nécessaire. Et là encore, hein, c'est pas un souci, il y a, a peut-être des évolutions au sein de, de, de vos équipes, il y a peut-être des changements, j'en sais rien. Mais c'est vrai que euh, nous, le projet, a priori, ce que nous disent les services, euh, c'est qu'il a été présenté et validé dans sa phase conception avec l'avenir de Roux. Et c'est vrai qu'on ne revient pas chaque semaine ensuite, euh, ou à chaque commission, sur le même sujet, une fois qu'on considère qu'il est, euh, qu est validé. Donc peut-être que c'est une évolution à faire, hein, mais en tout état de cause, c'est le, le point que je souhaitais euh, évoquer. Il y a une autre question. Euh... C'est moi qui pose les questions. Pardon, <laughs> Alors, euh, nous avons une question anonyme via la plateforme, donc euh, question qui a été posée en amont. En plus, il n'arrive pas bien à les lire les questions. Faut mettre ses lunettes. Euh, concernant le stationnement de la gare, euh, comment se fait-il que les places PMR soient plus éloignées que les places pour le covoiturage ou le rechargement électrique Pour votre information, une personne handicapée ne voyage pas forcément accompagnée. Alors, je ne suis pas tellement d'accord avec la réponse qui, fin, la, la question qui est posée, parce qu'en fait, les places PMR sont les toutes premières que l'on ait sur le parking. Elles sont, euh, elles sont euh, à proximité, en plus du cheminement piéton, qui permet, on parle bien du parking là. Alors, je pense que la question qui m'a déjà été posée par quelqu'un dans la rue, ce n'est pas la question du parking qui existe. C'est la question des places de parking qui sont juste devant la gare sur le parvis. D'accord, alors d'accord, alors ça c'est des places qui ne sont encore pas mises en circulation puisque les travaux ne sont pas terminés. Mais effectivement, devant la gare et juste à l'entrée, il y aura une douzaine de mémoires de places d'arrêt minute qui seront disponibles et il y aura euh, une place PMR qui permettra la dépose de personnes à mobilité réduite juste à, à proximité euh, du, du bâtiment. Effectivement, ça le point qu'il faut avoir en tête, les travaux ne sont pas totalement terminés. Et notamment, ce qui est le plus à proximité de l'entrée de la gare, pour les raisons que tu as évoquées, l'IHY, ne sont pas faits. Et donc, les futures places qui sont les plus proches devant la gare ne sont pas encore réalisées. Et c'est là qu'on fera les places pour les personnes en situation de handicap. Donc, ils seront très bien, très bien euh, positionnés pour accéder le plus rapidement possible à la gare, bien évidemment. Mais je reviens quand même sur le stationnement, quand même pour dire que les places PMR du parking, euh, du parking de, de 400, euh, 400 et quelques places, les places PMR sont situées au premier rang euh, de priorité euh, euh, d'emplacement euh, pour aller à la gare. Et effectivement, nous avons d'un côté les places PMR qui permettent d'avoir un accès direct au chemin piéton qui longe en fait les, les bâtiments de la SNCF qui permettent d'accéder directement en, en, en piéton jusqu'à la gare. Et nous avons en face les, euh, les places de, de euh, covoiturage, de, de les places de véhicules électriques, parce qu'il nous a semblé important de mettre effectivement en évidence les moyens euh, alternatifs de mobilité, que sont le covoiturage, la, la, la mobilité électrique et euh, également les voitures d'autopartage, puisqu'on a les places cities qui se situent euh, à proximité immédiate. Donc tous ces moyens alternatifs sont effectivement au même niveau que les places de PMR, mais les places PMR sont du côté du cheminement piéton. Merci Christophe. Euh, avant de passer euh, aux actualités euh, du quartier et puis plus généralement de la ville, on a encore une question, euh, de, 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 une question euh, de Julien, pardon, euh, via la plateforme qui demande euh, à quand une requalification de la rue Jean Jaurès, notamment entre le rond-point Mitterrand et la jonction avec l'avenue de Paris cet axe est très dégradé, les trottoirs notamment, et participe en partie à l'image dépréciative du quartier de la gare. alors, euh, la question est très juste. Euh, jean jaurès, c'est pas la rue qui est en bonne forme. Euh, et effectivement, ça participe de la dégradation de l'ensemble de l'image du quartier, d'accord avec le constat. c'est pas prévu sur la programmation financière, qui est la nôtre, entre 2022 et 2026. Juste pour vous rappeler comment on fait. En fait, on a une ce qu'on appelle une, un plan pluriannuel d'investissement. Je ne pas sur le contrôle de Polodiaz qui va en reparler sur d'autres sujets tout à l'heure. On a ce qu'on appelle dans notre jargon un PPI, plan pluriannuel d'investissement. Autrement dit, tous nos travaux de voirie, on les regarde non pas d'une année sur l'autre, mais on le regarde sur plusieurs années pour programmer les choses au fur et à mesure du temps. Bon, bah, sujet que tu connais par cœur bien évidemment. Et donc. Sur Jean Jaurès, c'est pas inscrit à la programmation de 2022-2026 parce qu'il y a d'autres rues qui nous semblent plus prioritaires, soit parce qu'elle a beaucoup plus de trafic, mais Jean Jaurès, c'est très très passant, soit parce qu'il y a des rues qui sont malheureusement encore plus dégradées que Jean Jaurès. Donc on priorise les choses en fonction de deux critères quel est le taux de dégradation, quel est le taux de passage sur. Euh, la, la, la circulation, quel est le taux de passage en voiture sur la rue en question Et c'est en fonction de ces deux critères que nous euh, faisons cette programmation, donc Jean-Jaurès n'est pas prévu. Merci Benoît, merci Christophe. Et euh, je vous propose de passer au point suivant, à savoir les actualités euh, sur, euh, sur le, le secteur euh, rive gauche. Je pense qu'on va encore parler de travaux, de voiries. Euh, et donc, euh, on va demander à Polo Dias de, de nous rejoindre, donc qui est conseiller municipal délégué en charge de la voirie, de la circulation et de la sécurité des bâtiments. À toi, Polo. Bonsoir à tous et à toutes. Si, normalement, il y a une petite vidéo qui devrait. Euh, une diapo, pardon. Une diapo qui devrait. partir. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne le réseau de chauffage urbain qui achemine la chaleur jusqu'à votre logement À l'origine, il y a une chaufferie. Son rôle, c'est de produire de la chaleur entre 90 et 110 degrés pour l'injecter dans un grand circuit en boucle fermée que l'on appelle le réseau de chaleur. Celui-ci se décompose en deux parties le réseau primaire et le réseau secondaire. Le réseau primaire parcourt votre ville en souterrain et distribue sa chaleur jusqu'au pied de votre immeuble grâce à un échangeur thermique situé dans votre sous-station. L'échangeur transfère la chaleur du réseau primaire vers le réseau secondaire qui vous alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire. Le réseau primaire est exploité par un délégataire public et le réseau secondaire par un prestataire privé choisi par votre gestionnaire de bâtiment. Avant de, de, de passer la, la parole à Polo, je vous rappelle que vous avez une carte sur le site web de Chloé qui vous montre les travaux du réseau de chaleur en temps et en heure. Et donc Polo, à toi. Donc euh, on vous met le plan général des travaux. La rive gauche sera impactée mais dans un, une deuxième phase car euh, les travaux pour la rive gauche vont être faits en 2023. Euh, je vous rappelle qu'une carte interactive des travaux est disponible, donc, euh, comme tu l'as dit, en temps réel sur le site euh, de Chloé. Donc on va vous dire les travaux euh, terminés. Alors, les, les travaux qui sont d'ores et déjà terminés, c'est-à-dire fin décembre 2021, nous avons l'avenue de Valmy, la rue Flandre-Dunkerque, la rue du lycée et l'avenue Sarail, sauf les raccordements. Les travaux qui ont commencé en 2021 et qui sont à poursuivre, le chemin de Bouy qui est à finaliser, euh, la rue de Champagne. La place de Verdun qui est faite à 75%, euh, la zone le long de la 44 à 50%, et puis la zone 1, c'est-à-dire le PSM et la gendarmerie. Et puis, Polo, je te redonne la parole pour les travaux à venir. Et les travaux à venir, donc, on a la rue des Francs et la rue du Camp d'Attila en phase 2, la rue Garinet, rue des Fripiers, la place Godard, la rue Grande Étape, rue Carnot, rue du floc rue de la Charrière. Rue des Martyrs de la Résistance, Rue Saint-Éloi, rue, rue de la Croix-Milson, Rue Beethoven, Rue Sainte-Marguerite, Rue de Vinay, Rue Anatole france et Rue de la ville Tendu, vous avez aimé l'année 2021 avec quelques difficultés de circulation. Vous allez adorer 2022 parce qu'effectivement, ça va continuer en 2022 et ça arrivera en 2023, Rive Gauche, ce sera plus léger rive gauche, non pas parce qu'on en fait moins, mais tout simplement parce qu'on peut desservir beaucoup plus facilement les grands ensembles immobiliers. Mais il faut quand même passer les ponts, ce qui n'est pas simple. Donc on passe au niveau de la, la pénétrante, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est la pénétrante. Et donc en gros, euh, voilà ce sera plus simple sur la rive gauche, donc c'est probablement moins impactant. Mais il y aura quand même, fin 22, début 23, des impacts sur la rive gauche. Ça, ça c'est pour l'accompagnement du réseau de chaleur. Après, nous, on a en PPI, on a la rue du 8 mai 1945 et la rue du commandant Ça, Ce sont les rues qu'on refait complètement et qui concernent effectivement euh, d'autres territoires. Mais qui, oui, qui ne concernent pas la rive gauche. En tout cas, si on a besoin de tirer les numéros du loto, on sait que Polo, on peut compter sur toi. <laughs> Euh, avant de, de passer aux questions du public, euh, une actualité toute fraîche. Euh, comme vous le savez certainement, Chalon expérimente depuis mai 2021 un service de location de trottinettes électriques sur son territoire. Euh, depuis cet après-midi et jusqu'au 7 mars prochain, une enquête est proposée en ligne afin de recueillir l'avis de la population, donc votre avis sur l'utilisation des trottinettes. Tout le monde est concerné. Euh, que vous soyez usager, usagère ou non. Donc, vous pouvez d'ores et déjà répondre à l'enquête que vous trouverez sur le site internet de la ville, donc www.chalouche-champagne.fr, et sur les réseaux sociaux de notre collectivité à partir de lundi. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Oui. Simplement, euh, les... Personnellement, je suis connecté, je peux aller sur Internet, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre moyen pour doubler, pour que l'ensemble des citoyens, pas ceux qui ont le privilège un, de comprendre l'informatique, de savoir comment se connecter, d'avoir un abonnement, puissent, euh, s'ils si sont intéressés, répondre à l'enquête, enfin, participer à l'enquête Merci. Alors, l'enquête est là pour l'instant 100% numérique. En revanche, ce que vous pouvez faire quand vous êtes euh, dans un quartier, n'importe où dans Chalon, vous avez quatre centres sociaux et culturels qui sont à votre disposition, euh, qui couvrent en fait l'ensemble du territoire. Euh, et si vous avez besoin d'un accompagnement, euh, vous pouvez vous rendre dans les centres sociaux et culturels et euh, un collaborateur au sein des CSC vous aidera. Ou également à la bibliothèque, dans les, à la médiathèque Gulliver ou à la bibliothèque Pompidou. Donc vous avez quand même des points. Pour vous assister et pour euh, vous aider si vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a d'autres. Oui, monsieur. J'avais deux questions. La première concernant le, le boulevard périphérique. On a eu un magnifique euh, article dans le journal aujourd'hui. La rive gauche est très impactée, concernée par euh, ce boulevard périphérique. Et puis, euh, j'ai vu aussi dans le journal, euh, donc j'habite avenue Pierre-Semard. Et des questions qu'elle soit euh, refaites. Donc, j'espère qu'elle euh, qu le sera. Et euh, moi, je vous suggère de la refaire à l'image de l'avenue Jeanne d'Arc. Hein, je trouve que l'avenue Jeanne d'Arc est bien, bien, en fait, avec, avec ses petits ronds-points infranchissables. J'habite tout près d'un feu avenue l'avenue et euh, ça circule mieux quand les feux ne fonctionnent pas, ce qui arrivait très souvent. Apparemment, ça va mieux. Ils ont été beaucoup en travaux, plusieurs mois, euh, plusieurs, plusieurs tranches de plusieurs mois, et il n'y a pas eu de problème. Sans feu, ça fonctionne très bien aussi. Donc, euh, ça fait arrêter des voitures pour rien. Enfin, voilà. Peut-être de temps en temps, quand même, pour casser un peu la vitesse. Ça peut être utile pour ça, mais les ronds-points peuvent aussi remplir cette, cette fonction-là. Alors, euh, sur le boulevard périphérique, euh, là, les questions qu'on souhait, qu souhaitait. Ça, c'est une question pour moi diverse qui aurait pu venir à la fin, et donc on était plutôt sur le réseau de chaleur. Si vous aviez des questions au réseau de chaleur, mais on va évidemment répondre à ces questions-là. Sur le boulevard périphérique, euh, nous avons aujourd'hui réalisé les tranches 1 et les tranches 2 du boulevard périphérique. Euh, ces deux tranches sont faites, elles sont en exploitation. Reste la troisième tranche à faire, qui est la plus complexe, puisque c'est celle qui passe au-dessus des voies ferrées et au-dessus de la Marne. Et donc c'est en gros un énorme pont à faire pour boucler l'ensemble du périphérique. Bon. Et faire une route, ça coûte cher. Faire un pont, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça demande des études techniques beaucoup plus approfondies. Hier, nous avions, juste avant le Conseil communautaire, euh, une réunion avec l'ensemble des membres du Conseil communautaire et un cabinet qui a fait des études pour nous dire de façon un peu plus précise ce que coûterait de faire le boulevard, de finir, de terminer le boulevard périphérique. Et grosso modo, pour l'instant, les chiffres sont pas encore complètement précis. On a 95% du fin de l'étude, donc il faut les prendre avec énormément de pincettes. On va tourner autour d'un coût à 80 millions d'euros. Bon. Est-ce que... Euh, le boulevard périphérique est utile La réponse est oui. On peut avoir, on a besoin de ce boulevard périphérique pour contourner Châlons et éviter tout le trafic qui fait Avenue de Metz pénétrante. Donc la réponse à la question 1, est-ce qu'on en a besoin La réponse est oui. Et je pense que l'ensemble des élus, majorité comme opposition d'ailleurs, euh, de la ville comme de l'aglo, sont en faveur de ce boulevard périphérique. Il y a une deuxième question qui suit derrière. Est-ce qu'on peut se payer le boulevard périphérique à 80 millions d'euros Et là la question est un peu plus complexe. Pourquoi la question est plus complexe Parce qu'il faut tout de suite rentrer dans un tout petit peu de technique et j'en suis confus pour vous rappeler que les routes, elles appartiennent à différents types de collectivités locales. La RN44 que vous connaissez, elle appartient à l'État. Et donc, grosso modo, c'est à l'état de payer quand il y a euh, cette route à faire. Une route type le boulevard périphérique de Chelon, dès lors qu'il est porté par l'agglomération, ce sera une route communautaire. Autrement dit, c'est à la communauté d'agglomération de payer la route en question. Alors, elle peut demander des subventions au département, à la région. On a consulté le département et la région qui nous ont dit, voilà peu ou prou. Ce que nous, on pourrait vous donner. Et donc, on a une idée de ce que pourrait nous donner le département et la région pour réaliser le boulevard périphérique. Il reste une somme très, 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 très conséquente qui est à la charge, du coup, de l'agglomération. Est-ce qu'on peut payer cette somme, de mon point de vue La réponse est non. On a des points de vue différents qui s'expriment entre les uns et les autres. Certains considèrent qu'on peut se le payer. D'autres considèrent qu'on ne peut pas se le payer, je suis pour ma part dans la catégorie de ceux qui considèrent qu'on ne pourra pas se payer la fin du boulot périphérique. Sauf sauf si effectivement il y a, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, j'en sais rien, un nouveau plan de l'État qui dit ben, je mets pour améliorer euh, des dessertes locales, pour améliorer des contournements, j'injecte des sommes non prévues, et à ce moment là on aura un dossier prêt pour y aller. Mais sans ce cas de figure là, à titre personnel, je ne crois pas que l'on puisse éviter, que l'on puisse pardon, se payer le boulevard périphérique. Et là encore, je précise bien, on a des avis divergents au sein de la communauté d'agglomération. Certains pensent que c'est possible, d'autres pensent que ça ne l'est pas. On va euh, on s'est donné deux ou trois mois pour continuer à, à un à finir cette étude, puis à regarder s'il y a d'autres pistes de financement euh, potentielles, mais moi j'ai une conviction, une au moins, c'est qu'il faut trancher ce débat rapidement. Ça fait 10 ans qu'on en parle, 15 ans qu'on en parle, qu'on tourneront les uns et les autres, qu'on multiplie les études diverses et variées et qu'on n'assume pas une décision définitive. On fait ou on ne fait pas. Et il faudra évidemment, dans un cas comme dans l'autre, le revendiquer, l'assumer, l'expliquer aussi devant ceux qui sont contre et devant ceux qui sont pour en fonction du choix que nous, euh, que nous ferons. Et il nous faudra une deuxième chose, tout aussi essentielle. Et c'est d'autres études qu'on a commandées, qui est de se dire comment, si jamais on ne fait pas le bouloir périphérique, comment on arrive à obtenir peu ou prou un résultat identique, c'est-à-dire comment on pousse les camions qui aujourd'hui traversent Chalon pour éviter de payer l'autoroute, comment on arrive à les sortir de Chalon quand même. Je parle bien de ceux qui font du transit, parce qu'on aura toujours besoin des camions qui font de la desserte locale. Bien évidemment. Et donc, il faut qu'on trouve des techniques, il peut y en avoir, on est en train de regarder ça, pour, si on ne fait pas le boulevard périphérique, je dis bien si, hein, si on ne fait pas le boire périphérique, pouvoir pousser à l'extérieur les, euh, les camions qui traversent aujourd'hui Chalon. Pardon. Pardon. Pas de. Pardon. Avec le micro, s'il vous plaît, parce que sinon, les gens ne nous entendent pas. La traversée de la ville est interdite aux camions. Actuellement. Vous avez pleinement raison. La ville, il y a un arrêté qui interdit effectivement la traversée de Chalon. Bon. Pour faire respecter ce type d'arrêté. Parce qu'une interdiction, c'est bien, mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a plein d'interdictions en France que plein de gens ne respectent pas. Ça peut arriver de temps en temps. Bon. Euh, en circulation routière, c'est même très, 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 très fréquent que les gens ne respectent pas les interdictions qu'on peut leur donner. Et donc effectivement, beaucoup de camions, là encore, pour éviter le péage autoroutier, traversent Chalon, même si c'est interdit. Et donc la question que j'évoquais tout à l'heure, enfin le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est de se dire, comment on fait pour faire respecter cette interdiction Est-ce qu'on met des policiers municipaux pendant 10 heures tous les jours, et pendant tout le temps qu'il faudra, mais tout le temps qu'il faudra, ça va durer 10 ans, hein, parce que dès que vous enleverez le policier municipal, tout le monde le sera et les camions repasseront. Donc, est-ce que c'est cette solution-là Est-ce que c'est des solutions de portique C'est très complexe parce qu'il faut que le portique puisse reconnaître euh, celui qui est en transit local de celui qui n'est pas en transit local. Donc, c'est toujours des choses un peu compliquées. Donc, on regarde ça, mais il nous faudra proposer une solution alternative si, là encore, on décide de ne pas le faire. Alors, on a euh, deux questions sur, euh, sur Facebook. Bon, alors, déjà, on a Isabelle qui nous. Ah, Pierre Semard, pardon. Pour Pierre Semard, pour Pierre Semard, Semar, euh, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour dans notre mandature. Et en plus, elle est départementale. La, la route est départementale. Euh, on a rencontré le département pas plus tard qu'hier. On, on en a parlé à ce sujet-là. On a rencontré le maire de Fanières qui nous a alerté aussi sur, euh, sur le fait de la nécessité de refaire euh, des aménagements pour euh, réduire notamment la vitesse. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en tout cas, le département nous a dit que ce n'était pas dans cette mandature-là que ça sera fait. À ce moment-là, il y a une erreur dans le journal, alors, parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, il y avait un plan... Euh... Et en couleur, il y avait la, la partie haute, de la nuit nu personnelle, qui était prévue. désolé, mais c'est pas le cas. Actuellement. Si en plus vous croyez tout ce qu'il y a marqué dans le journal, <laughs> franchement. D désolé, le journal est là, hein, donc je, je <laughs> dis des méchancetés devant eux. Alors, nous avons donc deux questions qui sont arrivées sur Facebook. Donc la première, Isabelle, tant qu'il n'y a aucune législation sur les trottinettes, elles sont à interdire sur le territoire. Et puis nous avons Thierry qui nous dit, franchement, actuellement, à quoi sert le couloir de bus de l'avenue de Paris qui ne sert plus à rien en partie Alors, sur la première question concernant les trottinettes, euh, nous sommes dans une... Période assez marrante où on a une multiplication des outils de mobilité. C'est plutôt une bonne chose. Euh, et ces outils de mobilité, euh, notamment par exemple le vélo électrique, la trottinette ou d'autres outils de ce type-là, sont, et c'est une bonne chose, des alternatives à la voiture, qui est, rappelons-nous quand même, le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre euh, sur notre territoire. Et donc, tout ce qui va nous permettre de développer ces outils alternatifs sont plutôt une bonne chose. Mais là, on est tout de suite confronté à une deuxième difficulté. C'est ce qu'on va appeler le civisme d'une partie, toujours minoritaire, toujours infime, des utilisateurs de ces nouvelles mobilités, qui ne vont pas bien les utiliser, pas là où c'est nécessaire. Et il faut qu'on apprenne tous à partager un espace public qui est restreint, où il faut qu'on puisse y mettre des bus. Il faut qu'on puisse y mettre des voitures, il faut qu'on puisse y mettre des vélos, des trottinettes, des rollers et je ne sais quoi encore. Il y en a plein d'autres outils qui existent. Et il faut qu'on qu apprenne les uns et les autres à partager tout ça en évitant ceux qui sont les champions de la bagnole et qui voudraient supprimer tout le reste, ou à l'inverse ceux qui sont les champions des mobilités douces et qui voudraient supprimer tout le reste. Il faut qu'on arrive à faire vivre tout ça ensemble pour que... Globalement, on est des bonnes alternatives et qu'on développe l'ensemble de ces outils-là euh, au bénéfice, là encore, des chalonnaises et des chalonnais. Donc on assume, on revendique le retour des trottinettes dès lors que c'est possible. Euh, on va voir avec cette enquête quelle est la position des chalonnaises et des chalonnais pour pouvoir remettre en service euh, les trottinettes si c'est nécessaire, si c'est utile, si on considère que ça l'est. On a aussi Il y a une précision sur Pierre Semard qui vient d'arriver. Euh, je vais te laisser euh, la parole, Polo. Et il y avait la question sur euh, l'avenue de Paris, euh, le couloir de bus. Alors, pour pour Pierre, Semard, pour Pierre Semard, oui, le réseau de chaleur va passer en haut de la rue Pierre Semard, mais ça va être sur trottoir. Donc, ce qui va être refait, ça va être juste le trottoir, à cet endroit-là. C'est juste ça qui va être refait. Voilà. Et je reviens encore une fois avec mes couloirs de bus de l'avenue de Paris, euh, qui ne sert... Euh, donc c'est Thierry qui nous dit, le couloir de bus de l'avenue de Paris ne sert plus à rien. Alors, de ah. mémoire, de mémoire, le, quand l'avenue de Paris, elle avait été faite, c'était sous ta mandature, euh, le, le, le couloir de bus avait été fait pour avoir des financements. Hein Pardon, je pense que le, si on fait un couloir de bus, c'est d'abord pour que les bus passent. Oui, bon. oui, oui. Donc, mais... je n'ai pas en tête les éléments de réponse à la, oui, à la moi, question non plus. qui est posée. Et donc, on va vérifier ça. Oui. On vous répondra évidemment par écrit. Mais je n'ai pas en tête les éléments de réponse. Comment Les bus Donc, je, je, je répète les bus passeraient qu'à partir de la rue Jean Jaurès. On va regarder tout ça. Là encore, il faut toujours avoir en tête des, des éléments. Euh, je n'ai pas la réponse en tête donc je, 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 je parle sans filet mais ayez en tête un point et je parle notamment à la personne qui posait évidemment la question il y a beaucoup de travaux en ce moment donc il peut y avoir des déviations qui expliquent que ça passe ça passe plus avant que les choses soient effectivement définitives donc on va regarder tout ça une petite précision concernant le tracé des bus apparemment il, il, a, il a donc changé il y a peu de temps les dessertes ne peuvent pas encore être modifiées et repassées de nouveau euh, au niveau de l'avenue de Paris et le flux des véhicules légers ne subit pas d'impact. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, à ce propos dans la salle Non. Alors nous n'en avons plus. Euh... Si, on a une question de Bénédicte sur la plateforme concernant euh, la, la rive gauche. Petite suggestion, il serait positif de planter des arbres, entre parenthèses, forêt, ur forêt urbaine pour d'interrogation. À l'arrière du nouveau Lidl, de la pénétrante jusqu'au magasin, le long de la voie ferrée, il y a un espace inoccupé en friche. Il me semble que la ville est très engagée en faveur de la réduction du carbone par la plantation d'arbres. Alors c'est vrai, on a, on a souhaité, à l'occasion de ce mandat, euh, démultiplier les plantations d'arbres. On espère en faire autour de 26 000. Euh, avec une idée en tête, hein, euh, ces arbres, euh, ils n'auront pas vocation à... Euh, pardonnez-moi l'expression, faire joli. Et donc on ne va pas en mettre partout en ville, dans tous les quartiers, on va essayer de créer des forêts urbaines, souvent dans des endroits qui sont totalement inaccessibles. Je vous donne un exemple très concret. Nous avons sur le territoire chalonnais ce qu'on appelle la zone de captage. C'est l'endroit où en fait on puise l'eau pour la distribuer sur chalon. Et évidemment, cette zone-là est interdite de toute activité humaine. Ça va de soi pour éviter des pollutions de l'eau en question. Ben là, on a tout un espace où on peut planter un maximum d'arbres, même si ces arbres, en l'occurrence, ne seront pas visitables. Ce ne sera pas des lieux de balade. Par contre, ils auront une utilité majeure, c'est que les arbres, euh, c'est un poumon naturel qui permet de capter du carbone et de séquestrer du carbone dans le sol. Et donc, en gros, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut limiter les émissions de carbone. C'est ce que nous faisons, par exemple, avec le réseau de chaleur. Mais il faut également essayer d'enlever du carbone dans l'atmosphère. Et ça, de ce point de vue-là, les arbres peuvent être une utilité dès lors qu'évidemment, on en plante un peu massivement. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'est l'objectif qu'on poursuit pour ça. Mais il y a une condition c'est que pour planter des arbres, il faut d'abord être propriétaire du terrain. Et là, en l'occurrence, sur le terrain qui est évoqué, nous ne sommes pas propriétaires du terrain. Euh, et donc, pour l'instant, on a suffisamment de terrain où on pourra planter des arbres dans l'objectif que je viens d'évoquer, sans avoir besoin de racheter des terrains supplémentaires. Celui-là, en l'occurrence, nous n'en sommes pas propriétaires. Merci, Benoît. Avant de, de passer à la culture et à la mise en lumière de la rive gauche, notamment au journal télévisé de TF1, on a, on a Patricia sur Facebook qui revient euh, sur le, le projet du périphérique euh, et qui nous dit euh, vous êtes en train de dire que vous avez commencé un projet sans connaître son financement dans la globalité ça fait peur alors je comprends que Véronique ait peur Patricia Patricia pardon désolé Véronique c'est Patricia vous désolé Patricia c'est Véronique donc désolé Patricia j'entends ce que vous nous dites je veux juste rappeler que ce projet il a 20 ans d'existence et qui a 20 ans Lorsque Bruno Bourbroc et j'étais au conseil municipal, lorsque nous avons tous collectivement voté les premières tranches du boulevard périphérique, notre idée, c'était de le faire quelque part par petits bouts, par tranches, pour espérer pouvoir boucler le financement. Et c'était une époque, il y a 20 ans, où l'État accompagnait massivement, massivement, financièrement, ce type de projet-là. Via ce qu'on appelait à l'époque les contrats de plan état région. Et donc, quand on a lancé ça, on avait deux perspectives en tête. Soit on fait tout de suite la première partie, la plus complexe, enfin la partie la plus complexe, qu'on appelle aujourd'hui la phase 3, c'est-à-dire la traversée. Soit on commençait par faire des petits tronçons pour justement essayer de pousser à aller au bout du tronçon. Alors, oui, effectivement, quand on finance quelque chose sur 20 ou 25 ans, eh bien, euh, ça peut nous arriver de temps en temps de ne pas pouvoir aller au bout de l'opération. Tout simplement parce qu'effectivement, personne ne sait prévoir les financements qu'on avait il y a 20 ans. Mais si on avait dû euh, faire tout une traite, l'ensemble du périphérique d'une traite, il y en avait pour 120 ou 130 millions, ramené évidemment au prix de l'époque, on n'aurait jamais rien commencé sur le bord périphérique. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de saucisser les choses. Si on ne va pas au bout. Et effectivement, on pourra nous dire, à juste titre, vous avez fait une erreur dans le passé en faisant les deux premiers bouts. Parce qu'on peut toujours réinventer l'histoire. Toujours. Mais l'histoire telle qu'elle s'est écrite à l'époque me paraît normale. Si je me remets 20 ans en arrière, on referait probablement, tactiquement, la même chose. Et puis un jour, on fait des paris, on les gagne. Il y a des jours, où on fait des paris, on les paume. On verra bien jusqu'où on ira là-dessus. Mais si c'était à recommencer, je le recommencerais probablement de mon point de vue, de la même façon que ce qu'on a fait il y a 20 ans. Merci Benoît, merci Polo. Euh, je vous propose de passer euh, maintenant à un petit point culture, euh, puisque nous avons découvert, euh, enfin redécouvert un, un bunker euh, au niveau de, de la rive gauche, qui a donc euh, été mis en lumière au, au journal de TF1. Normalement vous avez... Alors on vient de voir le... Le, la vidéo du, du reportage de TF1. Avant de donner la parole à Emmanuel, je me dois de poser la question d'Isabelle sur Facebook. Monsieur Apparu, êtes-vous en campagne Je le crois fortement. Ce type de questions sont toujours très amusantes et elles reflètent parfaitement le fossé de plus en plus grandissant entre les citoyens et les politiques. Il suffit qu'on fasse une réunion d'information. Pour que les gens considèrent que c'est quasiment un meeting de campagne électorale. Et bien évidemment, si on ne les fait pas, on se fait engueuler, parce qu'on ne voit jamais, et qu'on ne fait pas assez de réunions, de concertations ou d'informations. Bref, quoi qu'il arrive, on se fait engueuler. Ça fait partie de notre boulot, c'est pas grave, on assume, on revendique et on fera quand même. Pour répondre évidemment à la question, non, je ne suis pas en campagne électorale, et je ne suis pas en campagne électorale parce que je ne suis candidat à rien. Euh, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je ne suis pas candidat à l'élection législative qui euh, suivra, donc non, je ne suis pas en campagne électorale. À toi. Merci, bonsoir, je suis ravie d'être à vos côtés et moi je suis en campagne pour les médiathèques. Donc je suis ravie qu'on se rencontre ici dans cette médiathèque et je rebondis sur votre remarque de tout à l'heure. Effectivement les médiathèques, le réseau des médiathèques à Chalon, ce sont trois médiathèques et ce sont des, des relais, des, des alternatives pour vous accompagner dans vos démarches citoyennes. Donc n'hésitez pas à y venir, d'autant que cette, cette médiathèque a une identité, une, une identité pardon, numérique. Alors, j'en reviens, je fais le lien, enfin, il n'y a pas de lien, mais revenons au bunker. Euh, le, portage, le reportage vous a mis dans l'ambiance, hein. et peut-être l'avez-vous déjà visité. Si ce n'est pas le cas, il y aura prochainement, enfin, prochainement, dans un avenir, le temps passe vite, hein, mais à l'occasion des, des futures Journées européennes du patrimoine, vous pourrez de nouveau visiter ce lieu qui est vraiment insolite, qui est vraiment une pépite. C'est un témoignage extraordinaire de l'histoire militaire et de l'histoire de, de, de la ville, entre autres. Et. Et j'espère que d'ici ces futures journées européennes, nous aurons percé effectivement euh, les mystères de, de, de ce bunker, puisque pour l'instant on a surtout des hypothèses. Et effectivement, l'accès aux archives militaires nous permettra de savoir effectivement ce qui s'est passé, comment ça a été occupé, par qui, ce qui s'y faisait. En tout cas, c'est dans un état de conservation exceptionnel et c'est à découvrir. Juste préciser peut-être dans, dans les hypothèses effectivement historiques, on est sur un site... Qui a été occupé entre 1937 et 1970. Hein, on est sur des hypothèses historiques. Et effectivement, comme disait Pascaline, qui, est, qui assure les, les visites, on y trouve des graffitis euh, en français, en anglais, en allemand. Et euh, voilà. Donc c'est quand même un, une vraie pépite, hein, un lieu insolite à découvrir. Et prochainement réouvert aux visites. Merci Emmanuel. Euh, donc on a une question de Thierry euh, qui est dans la culture, peut-être plutôt dans l'histoire. Pourquoi ne pas rebaptiser le Parvis de la Gare par le nom Jacques Chirac Alors pour l'instant, on ne s'est pas encore posé la question du nom futur du Parvis de la Gare. Je ne suis même pas sûr qu'on se soit posé la question de savoir si on ou si on dénommait ou pas nominé mais si on dénommait ou pas si on donnait une dénomination à un parvis donc on va regarder ça on va se poser la question pourquoi pas ça peut être une bonne idée en tout état de cause euh, nous souhaitons clairement euh, que l'ancien président de la république soit honoré dans notre euh, dans notre ville il faut trouver quelque chose qui soit effectivement à l'ampleur de ce qu'il a pu faire pour la, pour la France. Ce sera peut-être ce parvis de la gare. Et donc comme ça, on passera du rond-point Mitterrand au parvis Jacques Chirac. Ça pourrait être drôle, l'un ayant succédé à l'autre euh, comme président de la République. Donc ça pourrait effectivement être, être un joli clin d'œil. Mais on va, on va regarder ça. J'en profite d'ailleurs, euh, puisqu'on parle des présidents de la République, euh, que nous sommes euh, en, en période d'élection présidentielle. Pour vous dire que sous forme de clin d'œil, nous allons probablement, c'est pas probablement c'est certain, le 1er avril prochain, nous allons faire une exposition sur les présidents de la République à la du avec des dessins évidemment de Cabus. Un 1er avril, quelques jours avant le premier tour de l'action présidentielle, ça nous semblait un clin d'œil plutôt marrant. On a une question de Bénédicte via la plateforme. J'ai lu dans la presse qu'un aménagement d'un hub circassien pour le palc allait se faire sur la, sur la caserne Chanzy dans les prochaines années. Quel sera le devenir de la salle rive gauche La salle rive gauche est un lieu culturel structurant dans, dans ce quartier qui a une histoire qui accueille depuis des décennies diverses propositions culturelles, que ce soit. Euh, les arts, euh, que ce soit des arts vivants, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, et ce lieu restera un lieu culturel. Mais effectivement, le paysage culturel de notre ville évolue au regard de nouveaux besoins, de nouvelles pratiques, et c'est pourquoi il nous semble intéressant effectivement de, de réfléchir à, à l'occupation de cette salle et d'éventuellement de repenser son, son aménagement en intégrant euh, des besoins qui se présentent, notamment le conservatoire qui développe de nouvelles esthétiques en matière de musique actuelle, entre autres. Voilà, une réflexion est, est lancée, mais ce lieu est culturel aujourd'hui et demain. Merci Emmanuel. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Non Alors on n'a plus de questions sur le thème de la culture, ni sur la plateforme, ni sur Facebook. Euh, donc je vous propose de passer euh, à la dernière partie de, de notre soirée, à savoir un, un temps d'échange avec des questions ouvertes. Euh, alors, le temps que des questions arrivent sur, euh, sur Facebook, je vais poser la première question euh, qui était sur la plateforme. Quel avenir, donc c'est de Marie, quel avenir pour la friche industrielle de la comète Alors, dans la série des serpents de mer de la rive gauche, on a eu le quartier de la gare, on a la comète. Et. Euh, pour ceux qui sont dans ce quartier depuis très longtemps, ils en entendent parler, là encore, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Euh, c'est un sujet assez complexe. Un, parce que c'est un sujet privé. C'est une propriété privée. Et c'est toujours ça qui rend les choses plus longues, plus difficiles à faire. Quand c'est une propriété publique, euh, en tout cas propriété de la ville par exemple, euh, on a une marge de manœuvre pour décider ce qu'on fait dessus. Et le mettre à profit. Là, on a quelque chose de privé, et donc il faut d'abord un propriétaire qui a envie de faire quelque chose. Et c'est d'abord au propriétaire privé de faire quelque chose sur son terrain. Alors certes, on peut le racheter pour faire quelque chose nous aussi. Mais euh, vous avez peut-être en tête que c'est un terrain qui a une déclivité, déclinit, je vais y arriver. Qui, est, euh, une, je vais pas y arriver, qui a une déclivité très importante. Euh, et donc il est très compliqué de faire quelque chose dessus parce que quand vous avez des terrains quand une inclinaison très forte vous pouvez pas construire quoi que ce soit sur le terrain en question ensuite si vous reprenez euh, uniquement le haut de la butte euh, sur euh, le site de l'ancienne euh, comète vous avez quelque chose qui va avoir probablement un usage intéressant de promenade ni qui va avoir un rapport coût/utilité qui sera très élevé. Et donc à ce stade, nous n'avons pas trouvé beaucoup d'idées pour les faire. D'autant plus, je vous passe les, les détails, mais dessous vous avez des caves. Donc vous avez des énormes trous d'aération pour les caves en question. Euh, donc des difficultés techniques assez lourdes parce qu'il faut éviter qu'évidemment si les gens puissent se balader de tomber dans les trous. Enfin, je vous passe euh, tous les détails de ces type d'opérations-là, donc ce sont des choses malheureusement complexes, donc à ce stade, pas de projet. Est-ce que vous avez des questions diverses dans la salle euh, Oui, quand vous parlez de terrain privé, on parle du, je parlais du, du lotissement à la voiture d'arras, et ça c'est une question qui a été souvent euh, soulevée, et ça devient une déchetterie, là, les, les jardins, à l'entrée du lotissement, la ville entretient le quartier correctement. Et les gens se sont satisfaits là de l'entretien du terrain, de la planchette, puisque c'est nettoyé, désherbé correctement, les buissons, tout ça. Mais alors, l'entrée du lotissement, c'est ça c'est une déchetterie. Vous alors vous appelez appe Patrick Oui. <rire> <rire> Je, Je vous pas... reconnais. <laughs> Patrick ayant posé la question par écrit avant, c'est juste pour ça qu'elle le sait. Hein, c'est pas du flicage du tout. Hein. Mais c'est en tout cas ce qu'il vient de dire et vraiment le résumé parfait de ce qu'il avait écrit euh, juste avant. Bon. Avec le micro, pardon. Il me disait, mais papy, c'est une déchetterie. Alors la partie fanière, enfin ce sont les propriétaires, les jardins ouvriers. J'ai contact avec M. Soisson, qui était aberrant, l'autre partie sur fanière. Alors ils font des brûlages, ils brûlent, il y a des animaux. C'est des taux, une entrée de lotissement comme ça. Ce n'est pas pour ça. Alors, vous avez euh, commencé votre question par la réponse. Euh, C'est privé. Et donc, effectivement, quand vous avez quelque chose de privé, le droit de propriété, est-ce qu'il est en France Il est excessivement protégé. C'est plutôt une, une bonne chose. Mais ça veut dire que malheureusement, dès lors qu'il n'y a pas de question d'insalubrité forte, évidemment, nous n'avons pas la capacité à euh, intervenir sur des propriétés privées. Bon. Alors, ensuite, euh, ça n'interdit en rien, c'est ce qu'on fait d'écrire. Et donc, il y a effectivement régulièrement des alertes en la matière. Mais je vais remettre la question euh, à une, une réunion de direction qu'on a, qu a chez nous pour regarder si on peut pas aller un peu plus loin sur, euh, sur ce lotissement et essayer de forcer un peu la main pour mettre un peu plus la pression. Sur le, la copro qui doit gérer le lotissement en question. Je vais regarder ça. Alors juste avant de prendre votre question, monsieur, on a eu euh, pour faire le lien euh, via la plateforme une question anonyme, euh, toujours dans une question d'hygiène. Euh, les maisons du lot A du lotissement de l'étoile sont envahies de rongeurs qui viennent euh, des nombreux poulaillers aux alentours. Malgré les nombreux messages des habitants sur l'espace citoyen, aucune dératisation n'a été faite. Alors, j'ai pas la, là encore la réponse, et donc on va regarder et on vous répondra bien sûr par écrit. Ce que je peux là encore subodorer, euh, c'est la même réponse. Quand on est sur un terrain privé, on est sur un terrain privé et nous n'avons pas le droit de faire des opérations de d'ératisation. Par exemple, faut toujours avoir en tête, mais je, je peut-être que je dis une bêtise, hein, faut toujours avoir en tête que on est, les gens ont le sentiment qu'une collectivité locale ou que l'État à tous les droits. Euh, la réalité est évidemment tout à fait différente, et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes dans un État de droit et que nous sommes dans une démocratie. Et donc une propriété privée, nous n'avons pas le droit de la, de la violer sans être invité évidemment à le faire. Et puis il y a une deuxième question, qui est pas la même, qui est derrière qui paye. Parce que si on commence nous collectivités locales avec vos impôts à entretenir une propriété privée, ça va commencer à poser d'autres types de questions. Il est normal qu'on entretienne une propriété publique. C'est notre job et vous payez vos impôts pour ça. Mais vous ne payez pas des impôts pour qu'on entretienne des propriétés privées. Ça, ce n'est pas le cas. Propriété privée, c'est au copropriétaire privé de payer l'entretien. C'est évidemment pas à vos impôts, à la collectivité locale. De le faire. Donc il faut qu'on qu regarde là encore comment on mette un coup de pression sur le, sur le sujet. Sachant que la ville a déjà pris attache auprès de Nov que plusieurs euh, euh, visites ont été effectuées avec notre inspecteur euh, de, de l'hygiène. Donc euh, on, on suit le dossier. Euh, monsieur, je passe la parole. Je reviens un tout petit peu en arrière à propos du parvis de la gare. Euh, peut-être pour être plus dans l'air du temps et euh, proposer un autre parce finalement c'est une proposition de nom, c'est de lancer des noms euh, quelqu'un qui euh, un personnage féminin qui s'est battu pour l'égalité l'avancée de la démocratie en France, on pourrait par exemple proposer Louise Michel d'autres noms possibles il euh, y a Louise Michel, il y, y a Simone Veil il y a plein de noms qui sont, qui sont tout à fait possibles euh, et donc on va regarder ça mais pour l'instant, ce n'est pas, pas encore le cas. Moi, je trouve que le côté, je passe du rond-point Mitterrand à, au parvis Chirac, ça m'amuse assez, en fait. Vous savez, être moderne, c'est participer à l'équilibre des choses. Ce n'est pas tout balancer uniquement que d'un côté maintenant. L'équilibre voilà. est essentiel. On passe d'un monde qui était déséquilibré au seul bénéfice des hommes. Il faut maintenant qu'on arrive à un point d'équilibre. Voilà. Et puis, vous savez, moi je considère que c'est pas rendre service euh, à la cause des femmes euh, que euh, de dire on va mettre un rond point uniquement pour les questions d'équilibre. Je trouve pas ça très sain de se dire ça. Donc il faut pousser dans cette direction-là de façon générale sur l'ensemble de ce qu'on fait, mais dire on fait ça uniquement parce qu'il faut mettre des femmes. Je, je pense que c'est pas service. C'est pas rendre service, pardon, à la cause des, des femmes pour ça. Et je dis ça euh, devant la directrice du Cidff. Je sais bien. Et ben voilà. L'argument, pour moi, c'est celui-là. L'argument, c'est pas dire on est moderne parce qu'on met le nom d'une femme. C'est on met le nom d'une femme. femme ou d'un homme, peu importe, parce qu'il représente quelque chose dans l'histoire. C'est pas tout à fait le même argumentaire. Alors on a une question d'Amori. Euh, bonsoir. Est-il prévu de sécuriser un jour la bande cyclable montante rue Dagonais Très régulièrement, des véhicules stationnent et circulent dessus. Nous l'avons évoqué lors du dernier conseil de quartier, de quartier madagascar frison donc ça date un petit peu maintenant. Force est de constater que rien n'a bougé depuis. C'est fréquent. Rien ne bouge dans ce type de question-là, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça dépend d'abord et avant tout du civisme individuel des uns et des autres. Euh, vous avez malheureusement des deux roues à moteur qui prennent les bandes cyclables. Vous avez malheureusement tous les jours des bagnoles qui ne respectent pas les réglementations et qui prennent, qui prennent pardon, les, bandes, euh, les bandes cyclables. Malheureusement, ça arrive tous les jours. Et ça demande du civisme des uns et des autres. D'abord, et avant tout ça. Et ensuite, effectivement, on verbalise dès qu'on a la capacité de le faire. C'est-à-dire que dès qu'on a un policier qui voit euh, ce qui se passe, là, on peut verbaliser. Malheureusement, euh, et je ne sais pas, j'ai pas de réponse technique, donc peut-être qu'il y a un petit aménagement technique qui permettrait de, de, de limiter les choses. C'est possible, il faut qu'on le, qu le regarde sans créer d'autres risques, bien évidemment. Donc on va re-regarder ça. Euh, j'ai plus en tête effectivement les questions qui étaient posées sur les conseils de quartier de Madagascar. On va se reposer la, la question, mais euh, je suis à peu près convaincu que c'est d'abord et avant tout des questions de civisme. C'est ensuite effectivement des policiers qu'il faut qu'on positionne de temps en temps pour verbaliser, euh, pour verbaliser ceux qui contreviennent à ça. Et Je crains malheureusement que nos sociétés soient de plus en plus tournées vers le bâton, euh, de moins en moins vers la carotte. On utilisera le bâton, mais c'est bien dommage de devoir verbaliser à tout bout de champ pour que les gens respectent juste des réglementations qui existent et qui sont là uniquement pour le bien-être de tout le monde et pour qu'on puisse partager cet espace public. Alors une question de Christophe via la plateforme. Dans le cadre du plan Arbre, est-il prévu une végétalisation des berges du canal, espace entre la voie verte et la rue du 27 avril 44, rue Montaigne à rue Simon de Chalon. Il pourrait être intéressant de planter sur cette petite butte des arbres ou des arbustes, même pourquoi pas des arbres fruitiers. Alors on a effectivement une, une programmation de ce plan Arbre et donc toutes les idées, tous les sites sont évidemment les, euh, les bienvenus mais je répète que notre objectif principal c'est pas un objectif d'embellissement l'un n'interdit évidemment pas l'autre et plus on va pouvoir embellir mieux on se portera mais c'est d'abord et avant tout un objectif de captation de carbone c'est d'abord ça notre objectif et donc notre objectif c'est plutôt de faire effectivement des formats de forêt pour concentrer des arbres et concentrer de la captation et de la séquestration, plutôt que d'avoir des arbres isolés. Là encore, hein, il faut qu'on continue à planter des arbres en matière d'embellissement. L'un n'est pas à l'opposition de l'autre, mais dans le cadre du plan arbre, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de maximiser les volumes de forêt. Puis ensuite, il y a d'autres actions qu'il faut impérativement faire. Et je vais reprendre un exemple avec le quartier de la, de la gare. Il faut aussi qu'on apprenne à désimperméabiliser un certain nombre de sols. Prenons l'exemple de la gare. Euh, ce qui existait avant sur la gare, c'était sur l'ensemble du grand parvis de la gare, 1000 mètres carrés de sol qui étaient désimperméabilisés. Tout le reste, c'était que du bitume. Là, on va passer de 1000 à 4000 mètres carrés. Donc, on va faire x4 en nombre de mètres carrés qui sont désimperméabilisés. Et donc, c'est dans cette direction qu'il faut aller. De la même façon, on a commencé, je crois qu'on en a eu une première cette année, à essayer de désimperméabiliser, pour partie, pas entièrement, des cours d'école. Et on va en faire une par an comme ça, pour que ces cours d'école qui sont aujourd'hui quasiment que du bitume, ben on arrive à les désimperméabiliser en partie. C'est-à-dire à remettre ce qu'on appelle de la pleine terre, pour qu'effectivement, on puisse avoir des écoulements d'eau qui soient plus naturel, qu'on puisse recharger d'ailleurs au passage les nappes euh, phréatiques. Et donc, en gros, pour créer des îlots de fraîcheur, bien évidemment, c'est un des objectifs aussi. Bref, il faut qu'on aille dans ces différentes directions-là et qu'on réapprenne le réaménagement urbain en ce sens. Là encore, évidemment, en essayant de respecter les équilibres. Il ne s'agit pas de, de ne faire plus que du désimperméable ou que des arbres partout. Il faut qu'on trouve... Euh, des équilibres entre les le deux pour qu'on puisse avoir des villes qui soient plus fraîches, évidemment, plus respectueuses de l'environnement, mais dans lesquelles on puisse quand même avoir des équipements publics, des outils publics, publics des rues, euh, des stationnements possibles. Bref, trouver cet équilibre entre les deux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Non. Donc on a Thierry. Euh, monsieur, allez-y. Allez Je voudrais soulever un que je pense important pour tout ce qui est de fleurir les, les routes et au niveau des intersections tout ça il se trouve que parfois un passage piéton qui est fleuri à droite et à gauche le véhicule ne perçoit pas le piéton mais au dernier moment donc sur le plan architectural il faudrait voir à minimiser la hauteur des plantes au niveau des du, du passage pour piéton etc donc bien bien étudier les choses parce qu'on a des belles plantes, de beaux arbres, c'est magnifique, c'est j'adore. Mais parfois, ça peut aussi induire en erreur et fausser la visibilité vous avez du véhicule à... ouais, et du piéton. Vous avez à 100% raison. raison. C'est toujours effectivement des questions d'équilibre à trouver. Euh, parce que ce qui compte d'abord et avant tout en aménagement routier, c'est la sécurité routière. Et la sécurité de différents types d'usagers, le piéton, vous l'avez évoqué, mais également le cycliste, mais également euh, évidemment la bagnole, le bus, bref, c'est d'abord et avant tout la sécurité. Euh, et avant, il faut qu'on arrive, on se dise que la priorité numéro un, c'est celle-là. Ensuite, si on peut végétaliser, tant mieux. Si on peut rendre plus joli, tant mieux. Mais c'est d'abord la sécurité qui compte. Ça, c'est une certitude et c'est vraiment la consigne qui est donnée au service. Et c'est la consigne que les applications appliquent d'eux-mêmes, sans qu'on ait d'ailleurs besoin de leur donner la consigne. On a une question de Thierry sur, euh, sur Facebook qui demande s'il y aura un, un nouvel ESAT euh, rue Ampère, donc un établissement euh, de service d'aide le, par le travail. Alors, en fait, on a une, plutôt une relocalisation euh, de l'ESAT de, de, de Chalon sur ce nouveau site euh, et on va avoir une extension de ces activités. Donc il va y avoir deux choses une relocalisation pour partie. Euh, du site de l'ESAT sur, euh, sur la rue Ampère. Et puis, on va avoir une extension du service. On a la chance d'avoir à Chalon une association qui s'appelle la l'ACPEI, que vous connaissez probablement les uns les autres, qui est une des plus puissantes, une des plus belles associations qui existent sur le territoire chalonnais, qui est une énorme association et qui est l'une des plus utiles qui soit parce qu'elle est principalement à destination des. Euh, des plus fragiles et notamment des, euh, des jeunes en situation de handicap. Et donc, c'est eux qui vont construire ce projet euh, que, 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 qui a été évoqué dans la, dans la question rue Ampère, sur la relocalisation de l'ESAT et l'extension de l'ESAT. Mais c'est eux aussi qui ont fait quelque chose à deux pas d'ici, qui est le gymnase qui a été fait dans leurs locaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou si certains d'entre vous l'ont vu, qui est un gymnase unique en France. C'est le premier qui est fait comme ça et qui est un gymnase dédié euh, aux enfants en situation de handicap. Et qui part d'une idée toute simple, toute bête c'est qu'on se souvient tous des gymnases que l'on connaît les uns et les autres. Et vous avez sur le sol du gymnase euh, 10 terrains de 10 sports différents dont les lignes sont tracées. Vous avez le terrain au sol de basket qui est tracé à la peinture celui de hand. Celui de badminton, celui de tennis, celui de je sais pas quoi, celui de je sais pas quoi. Bref, ça vous fait une multitude de lignes. Alors pour les uns et les autres, on s'y retrouve. Mais pour des jeunes en situation de handicap, avec certains types de, de handicap, avoir cinq lignes côte à côte, ils n'arrivent pas à retrouver quel est le sport et donc à pratiquer leur sport. Eh ben, ce qu'a fait la CEPEI, c'est un truc trop simple. Ils ont mis des plaques de LED au sol. Et ils ont une console et ils allument les lumières. Et donc vous appuyez sur un bouton terrain de tennis et vous avez avec des LED le terrain de tennis qui se dessine sur le gymnase. Puis vous éteignez le tennis, vous allumez le hand, vous allumez le basket, vous allumez le badminton, bref, plein de choses comme ça. Ça peut paraître tout simple, ce n'est pas tant que ça, mais c'est une première européenne. Il y en avait, je crois, un aux Pays-Bas qui avait été fait et ça a été fait pour une première à Chalon. C'est rive gauche. Et d'ailleurs, la CPU a passé une convention avec les établissements scolaires du quartier pour que les jeunes des établissements du scolaire et du quartier puissent aussi bénéficier de ce, de ce gymnase quand il est disponible et libre. Bref, pour qu'on ait effectivement un partage de ce gymnase entre ceux pour qui il est fait et les autres. Alors tu parles de sport, on va rester un petit peu sur le sujet. On a deux questions qui sont assez proches, qui sont arrivées sur la plateforme. Quand va être réalisé le projet de l'île Aubin euh, et qu'est-ce qui va être aménagé Donc ça, c'est une question de Christophe. Et puis Gérard, y a-t-il un projet d'aménagement des bains municipaux et de la rivière artificielle en eau vive Dans l'affirmative, y a-t-il un projet de circulation automobile Alors, est-ce qu'il y aura de l'automobile sur l'île Aubin La réponse est évidemment non. Donc ça, c'est très facile. On y répond. Pas de circulation automobile. Est-ce qu'il y aura une rivière en eau vive La réponse est là encore non. Nous avions le projet de faire une rivière en eau vive sur ce site et de mettre d'ailleurs une centrale de production d'électricité, puisqu'on faisait couler rapidement de l'eau pour faire de la production d'électricité, ce qui nous aurait permis de financer le fonctionnement de l'ensemble de l'équipement. Mais les estimations qui ont été faites après un certain nombre d'études, 5 millions d'euros de travaux pour faire et la centrale et la micro-centrale et la rivière en eau vive. Lorsqu'on a lancé <coughs> les, 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 les marchés de travaux, euh, bah, c'était pas 5 mais 12. Et donc, à 5 millions, on avait les moyens de le faire. À 12 millions, nous n'avons pas les moyens de le faire. C'est un peu comme le boulevard périphérique. C'est très utile, c'est très bien, mais il faut que le coût reste raisonnable et acceptable pour la collectivité locale. Bah, c'est pareil, à 5. On pouvait le faire à 12. On estime euh, qu'on ne peut pas le faire, qu'on qu ne doit pas le faire, parce qu'on estime que ça coûte trop cher. Donc sur l'île-aux-Bains, il n'y a pas euh, de rivière en eau-vive. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on a abandonné le projet de rivière en eau-vive, qu'on a regardé ce qu'on pouvait faire d'autre. Parce que ça reste un très beau site, ça reste une, une pépite, ça reste dans l'imaginaire collectif chalonné, les bains municipaux. Mais il y a des tonnes d'échalonnés qui vont vous dire, j'en vois sourire au fond là-bas, qui vont vous dire c'est là où j'ai appris à nager, c'est là où je m'amusais quand j'étais gamin, etc. etc. Et c'est quelque chose d'important dans l'imaginaire collectif d'échalonnés. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, faire revivre le site. Et quand je dis faire revivre le site, on n'aura pas des capacités juridiques d'aménagement très fort, parce que c'est une zone qui est ce qu'on appelle sous PPRI plan de prévention des risques d'inondation. Et donc la zone est inondable, donc on n'a pas le droit de construire quoi que ce soit sur le site. Qui plus est, c'est un site qui est assez protégé, en tout cas regardé par l'architecte des bâtiments de France, parce que ce site, avec euh, cette architecture si particulière des bars municipaux, est un peu protégé, et c'est une bonne chose euh, de ce point de vue-là. Donc il faut qu'on trouve euh, l'équilibre entre euh, redonner ce site au, au, au chalonnais avec un coût qui soit raisonnable. On avait même du ski nautique à l'époque. J'ai même posé la question de faire du ski nautique, mais là c'est l'architecte des bâtiments de France, qui, euh, euh, comme c'était pas sur l'île des bains municipaux, c'était plutôt du côté de l'once du Jarre qu'on avait regardé ça, pour voir si on pouvait poser un peu comme un tire fesse au ski, vous savez, mais pour faire du ski nautique. Mais comme le, les jars sont classés, l'architecte des bâtiments de France a refusé ce projet-là. Mais à l'époque, il y avait quand même du ski nautique. Je connais a, très bien y la y personne y effectivement... qui fait ah, bateau. Ah, pardon, tu as raison. Il oui, <laughs> y a encore, il euh, y a encore effectivement euh, un autre site où il y avait du ski nautique. Alors, on reste, euh, on, on reste toujours au niveau des, des, des bords de Marne. On a une question de, de Jean-Paul. Bonjour, je suis pêcheur et je me balade souvent autour de la Marne. Je passe chemin de la petite vitesse vers la déchetterie de Chalon. Désormais, tous les jours, des gens sont positionnés à l'angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue qui mène à la déchetterie. Pour récupérer les déchets de ferraille, de bois ou de vélo, alors que la déchetterie est bien plus bas. Où ces déchets vont-ils euh, Ces personnes travaillent-elles pour la ville Pourquoi ces gens. Ah, je viens... Pourquoi ces gens sont ici et récupèrent ces déchets qui sortent du circuit et polluent D'autre part, le long de la Marne est de plus en plus sale. Merci pour votre réponse. Alors, euh, est-ce que les personnes qui sont à l'angle. Euh, J'aurais ce chemin qui mène jusqu'au la déchetterie sont des personnes de la ville. La réponse est non. Ce sont des gens qui à titre privé essayent, essayent de récupérer des déchets avant qu'ils n'arrivent à la à la déchetterie pour les revendre et gagner de l'argent. Bon, ça s'appelle du black. Pas d'autre nom que celui-là. C'est voilà bon et c'est quelque chose dont je ne mesure pas d'ailleurs la légalité, mais peu importe. Je ne mesure qu'une chose, c'est que euh, la collecte des déchets, euh, c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent à la collectivité locale, en l'occurrence l'agglomération, et donc à vos impôts, puisque je vous rappelle que tout ce qu'on dépense, c'est le fruit de vos impôts nationaux ou, euh, ou locaux. Et donc. Tout ce qui est valorisable, c'est intéressant qu'on le récupère à la déchetterie parce que c'est <coughs> euh, quelque chose qu'on peut potentiellement revendre et donc diminuer le coût mais dans un circuit légal et diminuer le coût donc de l'exploitation de la déchetterie. Et euh, c'est donc dommage qu'on ait euh, un certain nombre de personnes qui effectivement matin, midi et soir soient présents pour récupérer les métaux en question et donc j'invite les uns et les autres à passer leur chemin et aller à la déchetterie et pas s'arrêter. Premier point. On a des arrêtés pour effectivement interdire ça. personnes qui sont là ne sont pas toujours les plus simples à gérer. On va dire ça comme ça. Et donc, est-ce qu'il faut aller à la confrontation physique pour nos policiers municipaux Ce n'est pas certain qu'il faille aller à ce degré-là de... de, 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 de pour interdire entre guillemets leurs activités, mais j'invite évidemment les uns et les autres à passer leur chemin. On a une question. suivre leur chemin, pas le passer d'ailleurs, à le poursuivre. On a une question euh, anonyme via la plateforme. Euh, présence de trafic et de consommation de drogue au fond du lotissement passage de l'exposition universelle et parcelles Perrier et parcelles péri... pardon sous les yeux de nos enfants. Police pourtant prévenue et rien. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait vocation dans ces réunions-là à aller à ce niveau de détail euh, sur quelque chose. Bon, premier point. Euh, deuxième point, euh, la procureure, le commissaire de police que je rencontre tous les mois, ont euh, une action principale en matière de sécurité à Chalon, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Et vous l'avez remarqué parce que la presse en fait régulièrement l'écho, le nombre d'opérations, de descente, comme on dit, organisées qui sont aujourd'hui sur chalon euh, a fortement explosé. Et donc on a de plus en plus de descentes de ce type-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce type d'opération-là, parce qu'en plus, ce n'est pas mon boulot. C'est le boulot de la police nationale que de le faire. Je n'ai pas le savoir, euh, évidemment, et encore heureux. C'est eux qui montent et qui font leurs opérations. Mais je peux vous garantir que c'est vraiment aujourd'hui la priorité principale de la police nationale sur Chalon, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Est-ce que vous avez des questions dans la, dans la salle? Alors je passe à un point un peu plus léger, mais tout aussi important. Euh, de, une question de Vincent via la, la plateforme. Euh, certains quartiers de Chalon, comme celui de Champs-Perdry -de où j'habite, font face à de gros problèmes de stationnement. La multiplication des voitures par foyer et le faible nombre de places de parking en sont la raison. Actuellement, la solution d'un stationnement sur voirie en alternance chaque 15 jours est retenue, mais force est de constater que les voitures restent depuis de nombreuses années sur les trottoirs. Ne pourrait-on pas trouver une alternative en effectuant un marquage au sol, à cheval entre la chaussée et les trottoirs, pour gérer cette cohabitation entre piétons et véhicules Pourriez-vous mettre en place une étude de la part des services de la mairie Je vais repasser le micro à, à apollodias qui a peut-être la réponse technique sur ce sujet particulier que je n'ai pas. Alors la, ré... la réponse technique, c'est pas tout à fait une réponse technique, c'est que aujourd'hui en général dans tout Chalon, on a cette problématique, c'est-à-dire que chacun a à peu près minimum deux voitures par euh, foyer et euh, tout chacun arrive devant chez lui et se gare devant chez lui. Alors que s'il ouvrait tout simplement son portail et son garage, il aurait de quoi mettre sa voiture dans le garage et la deuxième dans son portail. Mais c'est pas le cas. Tout le monde fait exactement la même chose. C'est à dire qu'on se met tous devant le trottoir et on laisse les places vides qu'on a à l'intérieur de chez nous. Et après, on dit à la mairie qu'il n'y a pas de place pour se garer. Le plus grand nombre de places qu'on qu peut récupérer, c'est en incitant les gens à se garer vraiment chez eux. Voilà. Merci, Polo. Question de Bénédicte. J'ai lu dans la presse qu'une maison de santé allait être mise en place dans le quartier Rive-Gauche. Quand sera-t-elle ouverte et à quel endroit L'ancienne caisse d'épargne et les anciens locaux de la DDE offrent des opportunités de reconversion intéressantes. C'est d'ailleurs peut-être pas pour rien qu'on les a rachetés pour ce qui concerne les locaux de la, de la DDE, puisqu'ils étaient en vente et que la ville a acheté cette, cette parcelle. Alors, est-ce qu'il y a un projet Pas complètement. Est-ce qu'il y a une idée Oui. Il y a une nuance entre les deux. Nous souhaitons installer une maison pluridisciplinaire de santé, rive gauche. Et peut-être, dans cet environnement géographique, que tu viens de, de rappeler. Euh, encore faut-il euh, qu'on arrive à trouver euh, d'abord un porteur de projet, ça c'est fait, et ça ça doit être un professionnel de santé, puisque les maisons de santé sont montées par des professionnels de santé, et ensuite il faut qu'il arrive à créer un tour de table, quelque part, d'acteurs du monde de la santé pour l'accompagner. Autrement dit, il faut souvent un pharmacien, trois ou quatre médecins, quelques infirmières libéraux, quelques euh, autres professions paramédicales ou des spécialistes en médecine. Bref, il faut construire ce que sera l'ossature de la maison de santé en question. Et ça, c'est d'abord et avant tout un projet médical. Ce n'est pas un projet administratif que peut porter une collectivité en tant que telle. C'est d'abord ça et avant tout. Euh, on l'a appris d'ailleurs une fois à nos dépens. Il y avait un projet... Certains s'en souviennent peut-être sur Schmidt, euh, qui est parti à Saint-Martin sur le prêt Et tant mieux, ça marche très bien. Enfin, tant mieux pour Saint-Martin parce que ça marche tr très bien à Saint-Martin. Mais c'est vrai qu'on a les médecins qui étaient sur la, 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 le quartier Schmidt qui sont partis à, à Saint-Martin. Ça a rééquilibré au bénéfice de Saint-Martin, mais on les a paumés sur euh, Schmidt. Et on les a paumés pourquoi Parce que on a peut-être mis d'abord et avant tout le projet immobilier en avant, plus que le projet de santé en avant. Et l'équipe médicale nous a dit, bah, voilà, on ne sent pas la façon dont vous appréhendez ce type de projet-là, et donc bah, on va travailler ailleurs et différemment. Euh, on en a retenu la leçon lorsqu'on a mené le projet euh, qui a été installé maintenant et qui est ouvert depuis plusieurs années maintenant sur la rue de la Marne. Euh, au fond de la rue de la Marne, hein, à proximité de la, de la cathédrale. Et là, c'est un porteur de projet, le pharmacien qui est Place Foch, qui a piloté l'ensemble du projet. Et nous, on est venu en accompagnement pour les aider à trouver des locaux, pour les aider dans leur plan de financement. Euh, on a fait racheter le bâtiment par la SAMCHA qui a fait les travaux. Donc, on est dans cette configuration-là. Mais il faut d'abord et avant tout qu'on ait un projet médical pour monter cette maison pluridisciplinaire de santé, et ensuite, on verra en accompagnement. Alors, on a une, une question de, de Ginette, qui est arrivée sur Facebook, euh, et, qui, et qui nous dit qu'il il faut voir quand les gens sont inondés, la mairie ne fait rien, et pourtant, ça fait longtemps qu'on le signale. Je vais, je vais me permettre de répondre. Elle, elle C'est une question par rapport au bord de Marne. Euh, donc, euh, Évidemment, euh, la proximité de la Marne et le niveau de la nappe est un fait sur lequel, sur lequel la ville n'a pas le moyen d'agir. C'est le rôle du lac du Der euh, et malheureusement nous ne maîtrisons pas la pluviométrie. Donc désolée Ginette. Ultime question avant de conclure. Question de Thierry. Que va devenir le Capitole suite à l'ouverture de l'arena de Reims pas, pas la plus facile pour la fin. Non, c'est pas le plus facile, mais c'est une des questions euh, qui est tout aussi intéressante que les, que les autres. Euh, on a effectivement, quand vous regardez ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres à Chalon, on a aujourd'hui deux équipements qui existent. L'équipement d'Epernay et l'équipement de Chalon. Ce sont les deux équipements qui font pas tout à fait la même chose, mais un peu du même type qui existent sur le territoire. Bon. Et Reims a souhaité, je peux le comprendre, se doter aussi d'un équipement de ce type-là, considérant qu'une grande ville comme Reims se devait d'avoir un équipement de ce, de ce type-là. Mais ça veut dire qu'on va se retrouver à trois, non pas trois dans le sens le euh, nom de la ville, mais à trois équipements, entre eux, un à Épernay, un à Chalon, un à, 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 à Reims. Ça me rappelle ce que dans le monde rural, par exemple en Argonne, on connaît. En Argonne, c'était ce que j'appelais la guerre des salles des fêtes, où chaque commune avait sa salle des fêtes. Et nous, on a chacun notre zénith, ou chacun notre parc des expositions, etc. Et Est-ce pertinent J'en sais rien, mais l'histoire est ainsi faite qu'on a beaucoup de mal à travailler ensemble, que chacun veut l'équipement. Enfin, chacun veut bien travailler avec l'autre, à condition que l'équipement soit chez lui, bien sûr. Euh, mais l'inverse, c'est en général moins vrai. On fait avec. Et donc, on a effectivement une concurrence. Qui n'existait pas, qui arrive. Et qui est une concurrence puissante, parce que l'équipement est neuf, qu'il est moderne, et qu'il est évidemment bien placé, parce qu'il est dans une zone de chalandise qui est beaucoup plus forte que celle des Pernay, ou que celle de Chalon, tout simplement parce que Reims est plus grand. Euh, Reims, c'est 200 000 habitants, Chalon, c'est 50 et Épernay enfin 46, et Épernay ça doit être euh, 26 ou 27 000 habitants, j'ai plus de chiffre en tête. Donc on a effectivement une grosse concurrence qui euh, arrive. Aujourd'hui, l'équipement de Chalon et l'équipement d'Epernay sont gérés par la même société. Ce qui nous permet de ne pas d'avoir avoir de la complémentarité entre les deux équipements et pas trop de concurrence entre les deux équipements. L'arène de Reims sera gérée par une autre société. Il y a en fait deux grosses sociétés en France qui se partagent le marché. Euh, L'une va gérer Reims, l'autre gère Chalon et Epernay. Euh, même si Chalon, c'est une gestion un peu particulière, puisqu'elle est partagée entre cette société, Espace, et Lucia, bien sûr, qui organise la, la foire. Et donc, comment on appréhende cette, cette compétition ben, On l'appréhende le mieux possible, j'espère en tout cas. Euh, on a euh, un marché qui est très complexe, et sur lequel personne ne sait aujourd'hui comment il va devenir, parce que c'est probablement l'activité qui a été la plus touchée par le Covid. Il n'y a pas eu un concert pendant deux ans, pas un spectacle pendant deux ans. Donc l'activité de l'événementiel de ce type-là a été la plus touchée par le Covid. Personne ne sait comment ça va reprendre. Est-ce que ça va reprendre en puissance ou pas Est-ce que les gens vont se précipiter dans ce type de salle ou pas Est-ce que des jeunes générations qui n'auront pas connu euh, à 16 ans, 17 ans ce type de truc-là vont redécouvrir euh, plus tard ce type d'activité ben, C'est très compliqué à savoir, c'est très difficile à, à définir. Bien évidemment, toutes les conditions assurantielles de ce type de spectacle ont été totalement revenues. En gros, les assureurs ne veulent plus assurer euh, la non-réalisation du spectacle, euh, parce qu'évidemment, ça leur a coûté une fortune. Bref, les conditions économiques de l'ensemble sont très, très, très complexes à, à, à définir. Donc on va voir. Euh, J'espère que la puissance qu'on peut offrir avec une programmation épernée, chalon, qui est faite ensemble. Mais permettra d'offrir une concurrence assez solide par rapport à Reims, même s'il faut pas se masquer les choses. Reims, de ce point de vue-là, a plus d'atouts de, 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 que nous, parce qu'ils sont beaucoup plus grands que nous. C'est n'est pas pour rien qu'à certaines époques, certaines personnes ici présentes dans la salle, essayaient de pousser le rapprochement entre les trois villes pour éviter ce type de concurrence, en se disant que la vraie concurrence, ce n'est pas celle d'Epernay, de Chalon et de Reims. La vraie concurrence, c'est Strasbourg, la vraie concurrence, c'est Metz et Nancy, et continuer à se faire la guerre des nains entre les trois communes, ce n'est pas le truc qui me paraît le plus astucieux, parce que le vrai, euh, la vraie concurrence pour nous, elle est à Paris, elle est à Nancy, à Metz, à Strasbourg, et il faudrait que ces trois villes-là soient beaucoup plus fortes ensemble, parce qu'on est beaucoup plus petits que tous les autres autour. Mais c'est comme ça. Alors, on n'a on a plus de questions sur le, le Facebook euh, ni sur la, la plateforme. Est-ce que vous en avez dans la salle oui monsieur. En, en termes d'emploi sur Chalon, des projets industriels de nouveaux arrivants, de... est-ce qu'il y aura du développement Alors, Si vous installez une usine pour le, faire, pour le périphérique, eh ben il est tout de suite fait. <laughs> enfin, non si non, c'est pas, pas l'usine qui fera le périphérique. Hein. C'est de l'emploi, mais c'est pas l'employeur qui va payer le boulevard périphérique pour autant. Donc ça n'aurait pas de conséquences et ça aiderait assez peu. Par contre ça n'interdit en rien d'installer le maximum d'emplois. Vous savez, on a euh, très souvent, et c'est normal, on parle beaucoup plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. Bon. Et on parle beaucoup plus de la boîte qui va fermer que de celle qui ouvre. Bon. Vous avez eu euh, des projets, pas des projets, des installations de nouvelles activités économiques fortes sur batterie vous avez un acteur industriel, un acteur du service pardon, qui doit être à 150 emplois au cœur de, de Saint-Martin, donc à 2 km de Chalon, seul panneau photovoltaïque et qui cartonne. Quand on a aidé cette entreprise à s'installer, c'était on espérait qu'elle créerait une trentaine d'emplois. Ils en sont à 150. Bon. Et donc il y a plein de choses qui se font comme ça mais dont on entend moins parler. Euh, le rêve que nous avons tous, c'est effectivement l'usine purement industrielle pour fabriquer des bagnoles avec 1000 ou 2000 salariés. Il n'y a pas eu une implantation en France, en France, comme ça depuis une vingtaine d'années. La dernière, ça va être Valenciennes avec l'usine Smart. Euh, non, c'était pas Valenciennes d'ailleurs. C'était Toyota, pardon, à, à Valenciennes. Dernier gros truc comme ça. Donc, c'est de moins en moins ce type d'activité. Et nous, ce qu'on recherche plus que l'usine de 1000 salariés, c'est effectivement une multitude d'implantations économiques. On va en rater 10, on en réussira une sur 10. Et effectivement, c'est comme ça qu'on arrivera à créer de l'emploi. Mais dites-vous une chose, le taux de chômage à Chalon, il est un point, point en dessous de la moyenne nationale. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème majeur en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes ou des moins jeunes qui sont, qui sont au chômage. Et celui qui est au chômage et qui va m'entendre dire, alors qu'il n'a pas de boulot, qu'on n'a pas trop de problèmes de chômage à Chalon, il va me prendre pour un dingue. Parce qu'à titre individuel, il le subit dans sa chair. Mais la réalité macroéconomique du territoire chalonais, c'est qu'on n'a pas de problème majeur en termes d'emploi et de chômage. Ça n'interdit en rien de continuer à développer de l'activité. Et il faut continuer à le faire, aussi bien à du public que du privé. Parce que. C'est l'installation de l'usine, mais aussi de fonctionnaires. On en a perdu beaucoup, il faut qu'on en récupère. Quand on a récupéré ce qu'on a appelé la démétropolisation des emplois de Bercy, en gros, comme Bercy quittait un peu Paris pour aller un peu plus en province, on a récupéré une centaine d'emplois. C'est une très bonne chose. Il y a d'autres euh, perspectives de ce type-là qui sont en cours, et donc on fait feu de tout bois en la matière. Par contre, c'est pas eux qui paieront le périph'. Hein. Merci Benoît. Le mot de la fin, le conclure. Eh ben le mot de la fin, le mot de la fin, pardon. Bonne soirée à, à toutes et à tous. Merci d'avoir participé. Bon appétit. Merci d'avoir participé à cette réunion, là encore une fois en physique et en, en, en distanciel. On voit qu'on arrive à avoir plein de questions, notamment en physique comme en distanciel. Donc c'est riche, c'est nourri, c'est super. Et donc ben on se donne rendez-vous à la prochaine, qui sera. Le vendredi 29 avril à 19h pour le secteur Nord, c'est-à-dire les anciens conseils de quartier, Île-aux-Bois, Mont-Héry et Schmitt. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en amont sur la plateforme dédiée et on vous espère nombreuses et nombreux en présentiel. Bonne soirée à tous!